Bonjour à tous, ici Cléa Sim, mais on se retrouve pour ce 34e épisode sur Arc Scorchers. On s'était laissé dans le dernier épisode, alors j'avais capturé un U Tyrannus qui était décédé parce que attaqué par un golem de pierre. Et là j'en ai récupéré un qui est passé niveau 33 après le TAM. Donc il est plutôt pas mal, j'ai eu un peu de galère hein, pour le ramener jusqu'ici. Comme je rappelle, hein, pas de possibilité pour l'instant de lui faire sa selle, puisqu'il faut que je monte niveau 80, ce qui n'est pas encore le cas. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu de construction. On va faire le toit de cet élément-là. Alors je vous l'avais pas montré l'ensemble de la construction quand je l'avais réalisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la construction ici, et on va avancer un maximum de choses pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir participer. Il va falloir que je détruise pas mal de choses, et notamment tout ce qui est là. Alors j'ai préparé hein, pas mal d'objets, vous voyez ici, donc on aura du bois, parce que je vais essayer de mélanger en fait le bois et l'argile pour obtenir des choses un petit peu intéressantes. On peut, je pense, faire un mariage plutôt heureux, hein, comme on avait pu faire de ce côté-ci, comme j'ai pu faire sur la maison qui est le long de la cabane là-bas. Vous voyez également que j'ai construit des petites tours de chaque côté des portes, puisque ce seront des tourelles pour protéger la porte. Hein. Bon, c'est juste RP, entre guillemets, hein, pour dire de décorer un petit peu la base. Et puis ça me permet aussi de repousser le spawn des créatures, en espérant que ça ne me pose pas trop de problèmes par la suite. Là, il va falloir prier un peu plus par contre, parce que ce sera pas évident. Alors, vous voyez que je suis en train d'essayer de modifier un petit peu le toit. Mercredi, ça fait mal. Je suis en train de faire en sorte de donner un toit qui soit à peu près correct à tout ça. Je voulais pas juste mettre un toit et puis pas de plafond ou quoi que ce soit. Donc, ça fait un petit espace qui va être, j'espère, sympathique, parce que ce sera pas aussi évident que ça. Là, j'essaye de faire en sorte d'avoir une toiture qui aille dans ce sens-là pour permettre de faire une descente, mais d'avoir un truc qui soit à peu près correct. Là, par contre, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc, on va prendre de l'argile. J'en ai qu'un seul, je peux pas en avoir plus. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Pas avoir assez, pourtant j'en ai détruit plusieurs. Bon, bref, pas très grave. Qu'est-ce qui me manque pour juste un peu de branchage? Oh, il y a bien moyen de récupérer pour éviter de trop de garder trop de ressources sur moi. Parce que j'avoue que je galère un petit peu. Alors, on va prendre un peu de branchage. Voilà. Parce que ce serait dommage de devoir jeter des ressources. Puis ça me permettra en même temps de vous montrer un petit peu comment je construis. Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses de construction sans vous. Également, bon, je vous ai montré les tables. Mais bon, ça aussi, je peux pas toujours tout vous montrer. Parce que ça demande beaucoup de temps. Et c'est pas toujours non plus le plus intéressant. Si je garde ici ces éléments-là, c'est tout simplement pour que ce soit vraisemblable, hein, puisqu'il n'y a pas de piliers là-dessous. Donc ce qui veut dire que c'est censé s'effondrer théoriquement. Donc pour ça que je garde ces piliers. On verra si ça fait suffisamment joli ou pas. Aussi bien je trouverai peut-être un moyen de contourner. Je ne sais pas encore. En tout cas, il va falloir que je sois un petit peu inventif pour réussir à faire des choses intéressantes et que moi je puisse bouger surtout. Ça serait très bien. Voilà. Parce que j'ai commencé à mettre des plafonds. Et je vais essayer de faire un truc qui soit à peu près joli. Normalement, le dernier est ici. Maintenant, alors, je pourrais faire pas mal de choses. Ça a fonctionné comme ça. Alors, oui, il faut savoir que les toitures hein, ne se mettent pas n'importe comment. C'est aussi un peu problématique là-dessus. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc, on va prendre les toitures parce que j'en vais avoir besoin de plusieurs. Je vais avoir besoin de ces éléments-là
En théorie aussi. Est-ce que j'aurais besoin de murs? Je vais en prendre un petit peu. Histoire que... oui, je suis mort aussi pas mal de fois, vous inquiétez pas, à force de tomber au sol. Même si d'habitude je construis pas mal en volant. Là, c'est un peu plus difficile, donc j'évite de le faire en volant. Dans la mesure du possible. Vous me direz, j'ai peut-être pas besoin de... Si je fais comme ça... Et comme ça, est-ce que je peux mettre mon toit? Sans que ça gâche quoi que ce soit ici. Et ce qui veut dire que je pourrais théoriquement démonter. Alors je peux pas tout à fait démonter ça tout de suite, puisque il tient mon toit et je vais avoir besoin de tirer un toit tout droit. Je ferai peut-être sauter cet élément-là. Ouais, ça devrait être pas mal ça. Parce que je vais monter en fait la toiture d'un niveau au-dessus de ce côté-ci, donc il va falloir. Est-ce que je peux le mettre ici? Non, je peux pas. Hein. C'est bien ça. C'est tout de suite un peu plus compliqué les constructions sur Ark. Surtout qu'il manque les toitures. On peut pas faire une toiture 4 pans malheureusement. Ce que j'aimerais bien réaliser. Bon, c'est pas non plus bien bien grave. C'est juste que c'est en termes d'esthétique. Moi ça me dérange un peu plus. Voilà. Et théoriquement, si je pose ça ici. Alors il faudra peut-être que je fasse un peu de farm à nouveau. Vous inquiétez pas, je vous épargnerai ça parce que c'est vraiment pas le plus agréable. Voilà. Ok. Et comme ça, on fera un petit tour en volant. Et puis, à vous de me dire aussi un petit peu ce que vous pensez de ces constructions, ce que vous auriez aimé voir, etc. Si vous avez des idées aussi, il faut pas hésiter à les partager dans la mesure du possible. Moi, ça m'aide. Ça, j'en avais pas besoin. Ça m'aide pas mal puisque ça me, je peux voir. Moi, j'ai mes idées qui sont bien dans ma tête. Mais. Forcément, avoir un peu d'aide des fois, ça fait pas de mal. Ok, je suis trop lourd. Va falloir que je pose. J'ai peut-être pas besoin de tant de toiture que ça et de tant. Voilà, si je baisse déjà ça, est-ce que je peux mieux courir? Ouais, je peux un peu mieux courir. On va manger un petit peu aussi, ça va baisser le poids qui est sur moi. Si je bois, est-ce que ça m'aide? Ouais, c'est bon, je peux sauter. Pas évident, hein, les constructions, vous vous en doutez. Ok, il y a... Oula! Il y a des Morelatops qui volent là. Bon, on va pouvoir détruire un pilier, on va pouvoir descendre juste. Là, sans trop se faire mal. Et théoriquement, si je fais ça, on devrait pouvoir avoir une structure ici qui se tient. Je vais éviter de tomber dans la mesure du possible. Ce serait pas mal. Et voilà, donc ça fait une partie qui va être couverte. On va mettre ici des éléments en argile pour le moment, pour dire de fermer, moi que je ne tombe pas, ça serait très bien et ça ferait un petit balcon là au milieu. On va mettre par contre du bois sur le chemin intermédiaire. Alors hop, on va prendre ça. Pour l'instant, ça j'en ai pas besoin. Ça on regardera ensuite. Ok, donc on va mettre le bois en place. Alors malheureusement aussi on n'a pas de rampe avec des barrières, ce qui serait parfois bien utile. Si je me plantais pas, ça serait encore mieux.
Alors peut-être que je ferai vraiment les bordures correctement ou pas. C'est pour ça que j'ai aussi besoin de vos avis. C'est pour voir un petit peu ce que ça peut donner, ce que ça peut, ce qu'on peut avoir comme impression. Alors normalement j'ai ma femelle Tapajira, voilà, qui est juste ici, qui me permet de voir un petit peu. D'ailleurs, je peux garder maintenant quasiment tout le temps cette porte ouverte. Et voilà ce que ça donne. C'est le rendu final. Alors, bien sûr, est-ce que j'ai besoin de garder cet élément-là qui est juste décoratif en dessous? Bah, c'est à vous de me dire, vraiment, parce que c'est pas forcément le mieux. Je sais pas. Je suis obligé, en tout cas, de garder. Alors ça, c'est ça, ça me plaît pas beaucoup. Il faudra peut-être que je mette une toiture en dessous qui remonte un petit peu, parce que c'est vrai que là, ça fait pas très très beau. À voir pour atténuer un petit peu cet effet que c'est massif. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire doubler de ce côté-ci. Ce qui serait pas mal d'ailleurs, de doubler un petit peu, de faire cet effet-là, pardon, de sol un peu épais, et de le garder tout le long. Ça pourrait être sympathique à noter, pourquoi pas. Et jouer avec le système des rambardes comme j'ai fait au-dessus, sachant que par contre je pourrais pas le faire de partout, ce qui serait un peu dommage. Je vais peut-être pas pouvoir le faire comme je l'entends. Mais voilà, il y a des possibilités. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis là-dessus, voir un petit peu ce que vous en pensez, ce qui peut être réalisé ou non. Donc moi, bah, je vais continuer bien sûr hein, avec vous un petit peu les constructions. Et puis on va prendre tranquillement le temps sur l'épisode. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer le chrono, mais c'est pas très très grave. Donc faut pas hésiter, hein, bien évidemment. Pendant ce temps-là, ben, mon petit bout là, il grandit. Mon oisillon, ben, il est. Non, je crois qu'à 10%, il sera un juvénile, ce qui fait que j'aurai plus besoin de nourrir moi-même. Là, j'ai un adolescent de ce côté-ci. Donc c'est la partie maintenant la plus longue. Il va être adolescent jusqu'à la fin. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, bon, on pourra décorer, mettre des torches par exemple de chaque côté ici. Le tout, c'est vraiment, je fais la construction, certes, mais d'avoir un petit retour de votre part, savoir un petit peu ce que vous en pensez et quelles sont vos idées. Parce que ben, moi, oui, je construis forcément, hein, je vais pas bien. Ah, quoique, on ferait peut-être tout en bois, que ça serait pas désagréable, je pense, hein. Ça serait peut-être pas si désagréable que ça. Alors, par contre, je suis trop lourd. Ouais, 18, ça devrait aller. Faudrait que je puisse. Qu'est-ce que je peux refaire en argile qui me sera utile? On n'a pas grand-chose pour l'instant. Si, des piliers. On va en faire plusieurs et je vais les poser pendant ce temps-là. Et là, on fait un truc qui est pas désagréable. Hein. Alors, on pourrait mettre une toiture de ce côté-ci pour faire à fois que dalle. Ce serait pas joli. Est-ce que on n'aurait pas meilleur compte à faire un petit peu comme j'ai fait là-bas, un ensemble de. Quitte à mettre une petite décoration, quelque chose dedans, un pilier, je ne sais quoi, histoire de. Voilà, de pas laisser ça trop vide, pas. Quitte à mettre des vases pour dire de. Bon, bah déjà là, on est. Ça reste à peu près correct. Il va juste falloir tirer. Alors, je vais aller chercher des sols. Je vais peut-être pas avoir fait assez de sols au final. J'étais pas sûr du tout, mais là, je crois bien que. Je vais être un peu léger en termes de sols et en termes de piliers. Donc, on va essayer d'avancer ça. Et pour pouvoir terminer un petit peu cette construction qui est pas évidente, hein. Franchement, elle est pas évidente du tout à réaliser.
Allez. Alors, on va déjà mettre. Ok, et là, oh c'est d'accord, ça c'est bon. Donc là, je vais pouvoir garder. Ok, ça c'est bon. Donc je peux détruire ces deux-là. Et ça va tenir normalement. Voilà, et comme ça me fait un petit balcon et moi ça me fera un espace. Alors après je vais devoir fermer. Alors je sais pas si je vais vraiment jusqu'au bout et que je fais la rotonde. Là ça pourra se discuter, c'est pas trop un problème immédiat. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller... est-ce que je vais pouvoir voler avec tout ça sur moi? Ça c'est pas dit par contre, ça c'est pas dit du tout. Est-ce que je peux... Après, le problème, c'est que voilà, il faut s'assurer que j'ai bien des piliers. Ok, c'est considéré comme ça tient en fait. D'accord, comme j'ai des piliers dessous, ça considère que ça peut tenir. C'est une astuce, ça, hein, à savoir, ça veut dire qu'on peut mettre des piliers très très bas au niveau du sol. Et puis avoir une plateforme qui se tient assez haute. Pourquoi pas, vous me direz. Ah, j'ai oublié celui qui allait là. Là au-dessus. Ouais. Bah, je vais le prendre. Il m'en faut un. Ouais, ça, juste ça. Ça, il m'en faut un petit peu. Normalement, je devrais pouvoir le mettre, je pense. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple que dans l'autre sens. Donc, vous voyez que là, je peux plus facilement le faire. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus dur. Donc, on va aller chercher, par contre, dans ces cas-là. On va tous les prendre, hein. Et je devrais pouvoir courir avec ça sans utiliser mes dinos. Parfait. Alors là, bien sûr, hein, je ferai un toit, je ferai quelque chose pour dire d'avoir peut-être une petite montée aussi ici avec les toitures qui sont aux quatre coins. Je sais pas encore. On va bien voir. Alors là, par contre, hop là, ici. C'est vraiment pas évident, hein, la construction sur arc. Pour le faire depuis un petit moment, j'avoue que je galère bien bien facilement. Ok. Ça c'est quoi? C'est pas dans le bon sens. Le problème, c'est que c'est pas dans le bon sens. Voilà, ça c'est bon. Ok. Ce qui veut dire que dès que je perds des ressources, c'est compliqué, hein, ça devient un peu plus compliqué. Là. Alors. J'essaye de réfléchir en même temps, hein, ce qui est pas évident. Je suis pas habitué. Blague mise à part. Voilà, beaucoup mieux. Ce qui veut dire que là je tire tout droit. Ok. On pourrait même mettre du bois, hein, à ce niveau-là d'ailleurs. Et peut-être remplacer d'ailleurs aussi toutes les balustrades, les mettre en bois, ce qui serait peut-être plus joli. À voir. La question se pose, hein, c'est toujours question d'esthétique. Alors bon, c'est toujours les goûts et les couleurs, selon un peu chacun, mais dans l'idée...
Ah, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Allez, hop, on retourne. Donc, par contre, là, on va prendre des piliers pour l'instant. Est-ce que je vais être trop lourd ou pas? Non, ça va à peu près. Bah, au moins, là, voilà, on a la montée, ce qui est plutôt sympa. Bon, pas protégée, malheureusement. Ah, et elle pourra être protégée si je... Ah, mais je peux pas doubler... Faudrait voir si je peux doubler et avoir encore le passage des animaux. Parce que si c'est le cas, ça pourrait être sympa, vraiment. Il faudra peut-être que je teste, mais là, dans ces cas-là, il va falloir que je le fasse en volant. Et en doublant et tout, là, je serai protégé sur la descente jusque-là à peu près. Ce qui serait bien. Je l'aurais pas au-dessus, mais ça, c'est pas gênant. Enfin, je pourrais faire sans, on va dire. Pour être plus précis, je pourrais faire sans. C'est pas mal ça. Bon alors bien sûr, si je fais de la construction comme c'est le cas maintenant, c'est qu'actuellement je suis en train de farmer les vers des sables. Pour pouvoir tame la mantisse. Mais bien sûr, pour pouvoir tame une mantisse, ça demande des ressources, beaucoup de ressources, à savoir bah, il faut tuer beaucoup de vers des sables. Et le facteur limitant dans cette course à la chasse aux mantisses, c'est mon golem de pierre et mon rex. Parce que, en fait, tout simplement, le golem de pierre, là, il a quasiment tous ses points de vie, mais généralement, il finit la bataille, il est à 2000 points de vie. Donc, c'est toujours un peu compliqué, vous vous doutez, de faire ces batailles-là. Ça demande du temps, bah, qui est compliqué à obtenir, hein. C'est pas toujours aussi évident que ça de se battre contre ces créatures. Donc bien évidemment, vous vous doutez que ben, je galère un petit peu quand même. Oula, j'avais peut-être un peu trop pris sur moi. Donc bon, c'est le jeu, hein. De toute façon, il faut pouvoir farmer, mais farmer, bah, ça demande de faire attention à ce que l'on fait. Parce que bah, je veux pas perdre un Rex niveau 110 et quelques, ça serait quand même un peu dommage. Elle est combien? Niveau 114, je crois, aux dernières nouvelles, ce qui est énorme. Pour mon level, elle est quasiment au niveau max. Donc pour mon niveau de difficulté, c'est déjà très bien, hein. Ouais, ça c'est bon. Je vais pouvoir avancer un petit peu ici aussi. Allez, viens là. Ok. Alors, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ah bah on est... Alors après je sais pas comment je vais travailler à ce niveau-là. Parce que là si je double par contre, ça risque de pas être joli. Ou alors... non je sais pas. Là je sais pas du tout comment je vais pouvoir régler ça. Mais bon voilà, c'est pour ça. Et donnez-moi votre avis là-dessus. Je suis preneur. Dans la mesure du possible, moi ça m'aide beaucoup. Donc, savoir un petit peu ce que vous pensez des constructions, c'est pas inutile, croyez-moi. Hop là, ça c'est bon. Voilà. Ah, et comme ça, moi j'aurai quasiment terminé de ce côté-ci. Ce qui fait, ça fait quand même massif, hein. J'ai pas fait une petite construction. Au départ, c'était peut-être un peu plus aérien, mais vu que le reste de la construction est plutôt massive, faut pas se le cacher. Ça fait assez forteresse quand même. Mais là, ça donne un petit cachet supplémentaire avec les piliers. Et je pense que vraiment faire le même principe que pour les terrasses, le faire là-dessous, ça pourrait être pas mal.
Et ça donnerait un côté aérien. En plus, les petites palissades en bois sont pas désagréables. Donc, j'en ferai peut-être d'ailleurs tout le tour. Je modifierai ça peut-être sur l'ensemble de la structure. N'hésitez pas à donner votre avis, hein. Franchement, moi, ça m'intéresse beaucoup. Allez, on va se reposer par là-bas. Et on va pas tarder à se laisser pour cet épisode. Moi, je vais tranquillement continuer. Le pont, hein, parce que il va falloir que je refarme d'ailleurs pour faire des piliers en argile, parce que j'ai plus ce qu'il me faut. Ça c'est quoi? On va utiliser ça et ça. Est-ce que je suis trop lourd? Est-ce que je peux pas sauter? D'accord. Mais est-ce que j'ai un anim... Oui, normalement j'ai mon Tilacoléo, il devrait pouvoir sauter. Oh, calme, tout doux. Tout doux, bijou. Et donc là, normalement, ce que je vais faire, c'est ceci. Non, c'est pas dans le bon sens, donc forcément ça me plaira pas. Est-ce que je peux en reconstruire un? Non. Forcément que je vais pas pouvoir le reconstruire. Ok. Donc dans l'idée, voilà, je vais le poser et puis on aura un aperçu à peu près de ce que je veux faire. Peut-être remettre aussi ce système-là ici pour pouvoir avoir une sorte de succession et ne pas avoir une coupe franche qui je trouve n'est pas très jolie. Pour pouvoir vraiment avoir un truc un peu plus épu, enfin un peu pas épuré mais un peu plus continu. Voilà, si je trouve les bons mots, c'est tout de suite mieux. Voilà. Et puis bah, de ce côté-ci, on va pouvoir avancer un petit peu. Histoire que tout aille au mieux. Voilà, que ça n'ait pas l'impression de tenir dans le vent. Dans le vent, bah voilà. Je voulais pas, mais je l'ai fait. Bah dans ces cas-là, en argile, qu'est-ce que je peux faire? J'avais foiré celui-là, je crois. Et avec ça, on devrait être pas mal et on va pouvoir vous regarder une dernière fois l'aspect que ça donne à tout ça. Donc je vais rentrer avec mon chat. Alors malheureusement, je pourrais plus revenir par ici. Avec le Tilacoléo, ce qui passe pas hein, en fait entre les deux là. Pour lui c'est trop. C'est trop étroit. Donc forcément. Oh purée. Voilà. Ok, on va reprendre une dernière fois. Je vais pouvoir poser la structure. En plus on aura le soleil qui se lève. Je vais pouvoir poser tout ça et je m'en occuperai un peu plus tard. Ah, quoique, on va peut-être poser d'abord juste les éléments en bois. Non, quoique, si je vais tous les prendre, ce sera plus rapide. Et normalement, à partir de là, on devrait avoir un aperçu plus global de la production. Oh, ça va, j'ai faim. Arrête un petit peu avec ma faim. Ok, et peut-être en fait faire ce que j'ai fait ici, le faire sur un pilier sur deux par exemple, pour donner un peu de relief à la structure, ça pourrait être sympa. Je vais juste prendre un peu à manger, on fait un dernier tour et puis on se laissera là pour cet épisode.
Comme ça, on pourra voir un petit peu tout ce que ça donne. Voilà, on va pouvoir s'envoler. Alors, voyons voir ce que ça donne de ce côté-ci. Ouais, ça fait vraiment trop franc, hein. Il faudrait vraiment que je fasse un petit quelque chose pour que ça atténue un petit peu. Parce que ça fait vraiment trop... Autant en dessous, ça va à peu près. Ça paraît crédible. Autant au-dessus, ça l'est beaucoup moins. Ça passe beaucoup moins. Voilà. Donc à peu près ce qui a été réalisé. Alors c'est pas grand-chose hein, par rapport à toutes les constructions qui ont été faites autour. Mais c'est pour avoir votre avis, voir un petit peu. Ben, la base, c'est la mienne, c'est sûr. Mais c'est aussi la base que vous voyez un petit peu à tous les épisodes. Donc si vous voulez voir un petit peu des améliorations, n'hésitez pas bien sûr à les donner. Donc sur ce, ben, moi je vous remercie d'avoir regardé ce long épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, ça c'est assez important vos retours. N'hésitez pas bien évidemment à partager la vidéo et on se retrouve donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!